tribunaux régionaux abritent aussi les centres d'assistance juridique et d'action citoyenne. 10 juillet 2019, une date à inscrire en lettres d'or dans les archives de l'ONG ANCE Togo. Cette date marque le début de son assise nationale avec la mise en place et l'opérationnalisation du Conseil régional de la CARA. Les membres de cet organe, 5 au total, ont été élus au cours d'une assemblée générale élective. Ceux des autres régions se poursuivent. Selon les statuts de l'ANCE, Contact National de Transparency International au Togo, chacun de ces bureaux régionaux est régi par plusieurs organes, dont une assemblée régionale, un secrétariat exécutif régional et le conseil régional qui anime la vie de l'organisation dans les différentes régions administratives du Togo, à l'instar de celle de la CARA. Nous avons procédé à la mise en place et à l'opérationnalisation de nos centres d'assistance juridique et d'action citoyenne pour pouvoir promouvoir le droit des citoyens afin de procéder aux dénonciations des actes de corruption. Donc, ce conseil travaillera également et va soutenir le bureau dans ses actions afin d'organiser les activités de renforcement des capacités des citoyens à la participation citoyenne à la lutte contre la corruption. Environ une centaine de membres adhérents ont été enregistrés et on prépare aux travaux de cette assemblée régionale avec la présence de plusieurs personnalités. À l'issue de ces élections ouvertes et transparentes, c'est M. Lamine Baba Yaga, magistrat de profession, qui a été porté à la tête de ce conseil régional du bureau de l'ANCE Togo dans la région de la CARA. Les statuts de l'ANCE Togo ont tout prévu. Nous nous efforcerons, donc tout en nous conformant à nos statuts, d'apporter nos modestes contributions à l'éradication de la corruption qui est un fléau qui mine le développement de notre pays. Élus pour un mandat de 2 ans, renouvelable une seule fois, ces membres du conseil régional travailleront de concert avec le secrétariat exécutif régional pour la mise en œuvre effective et efficiente des différents programmes de l'ANCE Togo dans la région de la CARA.